Le père est juif, comme le dit le titre français. Il a fait l'objet d'une projection en France. C'est exactement le même, avec des commentaires en français. Il faut se rendre compte de l'effroyable danger qui menace la civilisation. Richard Wagner a dit « Le juif est le démon plastique de la déchéance de l'humanité ». Comment ne point se souvenir de ces paroles en regardant ces visages où s'inscrit une cruelle bouffonnerie ? En voilà par exemple qui ont déjà pris des habitudes un peu plus mondaines. Leur père vivait encore au ghetto, mais eux ne l'ont peut-être pas connu. Ici, dans la deuxième et la troisième génération, l'assimilation est presque parfaite. Ressembler au peuple qui les héberge, tel est le mot d'ordre. Même ceux que l'on appelle les vieux aristocrates israélites, qui, par des alliances avec une noblesse en dégénérescence, appartiennent depuis des générations au milieu dit de haute société, sont restés des corps étrangers et doivent être considérés comme tels. Comparons le juif à un rat. Ils portent avec eux la destruction, anéantissent les biens et les vivres, propagent d'effroyables maladies. Ils sont rusés, lâches, cruels, et ils surgissent le plus souvent en masses énormes. Des films comme Le Juif Sus ont été largement dénoncés par certaines personnes. Mais bien sûr, vous avez toujours des antisémites qui étaient ravis. Hitler voulait que les Français soient d'accord avec lui sur l'antisémitisme.